Thank you.
Ya, perdón, vamos, perdón, perdón, perdón. Oye, qué mal, está pas possible, si, si, le soleil il est voilà. Service Mamoun et Walid. Premier point du match pour Nacho Herrera, 0-15. Sans l'attention. La mise en confiance dès les premiers points sont fondamentales. On sent qu'il y a de la technique. C'est beau. Casa. Superbe. Superbe. Allez, 35.
Ah mais c'est pas un cadeau, hein. Il a remis une balle le long de la vitre qui lui a permis de recevoir une balle facilement attaquable. C'est lui qui l'a provoqué, hein. 35. Ouais. Je crois qu'il y a une faute apparemment. C'est un match que quelques petits détails. Beaucoup d'effets dans les vendeurs. Beaucoup d'effets. Elles ne sont pas fortes. Beaucoup d'effets. Elles sont très difficiles. Ouais, super. Voilà. Allez, premier jeu pour Walid et Mamoun. On va essayer de présenter un petit peu les équipes là, parce qu'on a été pris un peu de court au démarrage du match. Donc on a Nacho Payan qui est numéro 1 avec Medal Amrani puisqu'ils sont en tête du classement général contre Mamoun et Walid. On ne va pas présenter Nacho qui est le vainqueur des différents matchs, des différents tournois ici, avec Reda qui était un ancien de l'ATP, ex 160e joueur mondial. Et Omar qui vient de venir nous rejoindre. Salut Omar. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et qu'on verra un match sympa. 15 à. Alors Eric, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que Nacho ont gagné l'ensemble des tournois, il y a une exception quand même sur le dernier MPM où Mamoun et Walid ont fait la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mamoun et Walid ont gagné le tournoi parce qu'ils ont battu Rabi et Médicé ici en finale. Mais Nacho jouait avec Reda était blessé, donc il a joué avec Hamed Benani et ils ont perdu en demi-finale. Et ils ont pris la troisième place à notre détriment. Qui était forfait, je crois. Bah, en fait, je me suis blessé. Au troisième set, à 4-3 au troisième set. C'est ça. Et puis voilà, donc abandonné, malheureusement, mais bon. Bah, c'est une belle quatrième place quand même. Hein. Exactement, je suis très content en tout cas. Donc, ce qui fait que finalement, au classement de la race pour 2023, c'est Walid et Mamoun qui sont en tête. Exactement. Super smash de Nacho. Allez, un partout. Service Walid. Allez, pas passé. Dommage. Après, on va dire que les deux équipes se connaissent bien. Hein. Oui, en fait. Walid et Mamoun aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de l'équipe de Nacho et de Reda. Donc je pense qu'il y a eu un match qui a été assez disputé il y a deux MPM où ils ont failli les gagner. Et là on va voir si ça va se reproduire. Ah, ils ont perdu un match face à un. On va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ah, ils ont perdu 7-6 au troisième. Hein. Exactement. Ouais. Et ils servaient bien pour le match. Hein. Ouais. Ça joue à pas grand chose. Mais ils sont pas loin. Hein. De toute façon, je crois que tout ça va se jouer sur la stratégie maintenant. Hein. Les équipes se connaissent bien. Voilà. La tactique pour gagner notre Reda. Il va falloir trouver la bonne tactique.
Et pour gagner ces joueurs-là, en fait, il faut être super régulier, ne pas faire de faute directe, essayer de mentalement d'être très, très, très concentré. C'est ça. Et on va voir si Mawalid Mamoun vont réussir à y arriver aujourd'hui. Écoute, ils ont les cartes en main aussi. Hein. Ouais, joli. Super, Libora de Wally. Bravo. Super, Libora. Quel raté! Bravo, Mamoun. Match raté de Nacho. Ah, ce match un peu fou. Hein. Ah oui. Il a fait sortir par la puerta. Superbe. Le ton est donné. Hein. Ça y est. C'est rare, hein? Des petites fautes comme ça, Dreda. La balle de Walid était très très limite, mais elle était bonne. Ouais. Ce qui a rendu difficile en fait le retour de Reda. Il a fait une petite faute. Ça y est, deux jeux à un. Walid Mamoun. Sur un match raté de Nacho. Raté de Nacho, ce qui est sous c'est le deuxième, rare. C'est, ouais, c'est le deuxième du jeu. Ah ouais. Très belle ambiance ici à Oasis Sport City. On a une affluence assez importante où tout le monde a envie de voir le dénouement de ce tournoi. Après, je crois que c'est pas compliqué. Hein. Si Walid Mamoun réussissent à gagner, il s'échappe un petit peu au niveau du classement. Et il rattrape sur la partie classement général. Il revient du coup. Doreda. Nacho est quand même bien devant au niveau du classement général. Oui, alors là, c'est le classement général. Et il y a aussi également le classement race, la race, de la race. Ils sont devant, ils vont s'échapper un petit peu. Et Walid Mamoun sont devant sur la race. Et il faut savoir que le classement race va qualifier, en fait, pour le Master Final qui a lieu en novembre. Et ça va qualifier les 16 meilleures équipes, les 16 meilleurs joueurs, pardon, pour le Master Final de novembre, suite aux 6 Masters de l'année. Voilà. Aujourd'hui, on est loin au 6e. Hein. Le 4e se déroulera en juin. Non, c'est-à-dire en juin, à la moitié du mois de juin. Et par contre, ensuite, le 4e, le 5e et le 6e aura lieu en septembre. Auront lieu en septembre. 15 ans. Ouais. Super par 3 de Nacho. 40-15. Depuis la ligne. Bravo. Oui, t'es du fond. Hein. Oui, oui. Et la même. Deuxième de suite. Bravo Nacho. Allez, de partout. Ça, c'est fait. Je crois qu'il va arrêter de mettre des balles comme ça. En même temps, s'il lobe sur Reda, c'est un peu pareil. Et ça sera peut-être un petit peu plus violent même. Ouais. Elfila n'a pas été touchée.
Dommage, faute de Mamoun. Belle défense de Reda. 0-15. Attention. Oups. C'est forcé. Ouais. 0-30. Les joueurs ont envie de faire la différence au départ, mais bon, une petite période d'observation est importante pour poser un peu le jeu et poser ses repères. Ah, il y avait une belle balle de par 3 là, mais c'est vrai que... Elle est forte. Super échange. Bravo, Walid Mamoun. Faute directe de Nacho. 15-30. Ouais, bien joué, Mamoun. Super Vibora. 30 ans. Ah oui. Attention, 30-40, première balle de break du match. Golden Point. Punto de Oro. Qui va recevoir. Faute directe de Reda. Et c'est Nacho qui reçoit. Moment important. Ah, magnifique, magnifique. Avec un peu de chance, sauvetage. Avec un peu de chance pour le rebond. Ah, oui. Bien joué, bien ça joué. Fait plusieurs fois que Walid Mamoun, ils ont évité le break. Et ça fait de très peu. Plusieurs fois que Walid passe Nacho sur son côté droit, sur son coup droit. Ça ouais, Nacho a essayé d'anticiper vers le milieu. Ouais, ouais. Et il ouvre un peu le long de ligne contre la grille. Il laisse un peu d'espace à Walid pour. Et Walid en profite à chaque fois. Et là, sur une balle de break, c'était bien joué. 3-2 pour Walid Mamoun. Chacun garde son service pour le moment. Ouais. C'est un début tendu. Je regarde ce test. Même si ça passe, il faut quand même. Chacun veut garder sa mise en jeu. Chacun veut rester en tête. Un break très difficile à ce moment du jeu de. Pour revenir dans ce set, donc il n'y a pas le choix. Chacun se bat pour garder son service. Ouais. Là, c'est un moment stratégique. 3-2. Allez, après un duel de volley-volley, même on est resté un peu en retrait. A été surpris par la volée de Reda. Ouais. Petit coup de pouce du filet. Très bien joué, Walid. Ouais, il a bien avancé. Hein. Il l'a anticipé, ça. Hein. Oui. 15 ans. Bonne balle.
Il la touche pas. Bon, ce match de Nacho. Ouais. 35. On sent que Mamoun est obligé de rester sur sa. De grosse attaque. On sent que Mamoun est obligé de rester un petit peu sur sa ligne de défense. Hein. Oui. Il a du mal à monter. Il l'a prise un peu en arrière. Ouais. Il n'a pas anticipé ce coup-là. Petit souci d'appui. Allez, trois partout. Service valide. Jeu très très important. Le septième jeu de tout set. Surtout que les deux équipes ont gardé leur service. Elle n'était pas tout à fait au milieu. C'était pas une balle pour Reda sur son coup droit. Nacho obligé de se déporter sur la gauche, sur le revers. Manque d'appui. Moi, Reda, attaque. Super bien avancé de Reda. Il attaque la Vibora de Walid à la volée, ce qui met Walid en difficulté. Oh. Bravo, il très souligner, belle défense. C'est tellement... oui, mais c'est tellement rare de voir Reda rater une balle qui semblait facile, mais qui semblait aussi avoir beaucoup d'effet. J'ai l'impression. Exact. Et non seulement l'effet, mais aussi la surprise De voir la balle revenir. De voir la balle, de voir Walid récupérer une balle qui a fait 3 vitres. 35. Ah, oh, le par 3. Super par 3. Je pense qu'avec un peu plus d'agressivité de Mamoun à droite, ça ouvrirait la porte à plus à la plus simple pour Walid pour finir les points. Maintenant, c'est simple à dire et sur le terrain, c'est particulier quand on reçoit des balles aussi lourdes de Nacho et de Reda. Et profonde surtout. Ouais. Qui Et même s'il parle pas, même s'il parle pas. Oui, est-ce qu'on les entend? On les entend toujours. Et le micro, il est arrêté ici. Nous, non, il n'est pas arrêté, c'est nous qui. Wade qui a été un petit peu inquiété sur son service d'avant. Ouais. Un peu osé de la part de Nacho de tenter une amortie à ce moment. Ça fait comme deux fautes directes de la part de Nacho hein, sur son service en plus.
0-30. Ouais, bien rattrapé. 15-30. Super ce match à plat. Sur... Oui, il n'a pas cherché la... le par 3 là. Non. Occasion ratée d'obtenir une balle de break côté Walid Mamoun. Ah oui. 30 à. Il se relève comme un grand garçon. Qu'est-ce qu'il a, il a voulu l'attaquer? Ouais, il y a eu une petite glissade. Il a voulu anticiper. Il a pris un excès de sable au niveau de la zone où il était. 40-30. Ouais. 4 partout. Ça, on a toujours faire des petites fautes inhabituelles quand même. Hein. J'imagine qu'il y a un peu de stress de part et d'autre. Ouais. Surtout que là, ils avaient l'occasion à 0-30 de pouvoir les mettre en difficulté. Exactement. En fin de set. Ouais, tenir en fait. 4 balles de break. Hein. Ouais. Ils auraient pu. Ouais. Et là, c'est encore une faute. 4-0. Ah ouais. Bien joué. Rebond un peu favorable côté grillage pour Walid, mais super bien joué des deux côtés. 30-0. Aïe, dommage. C'était compliqué à faire, c'était pas mal, mais l'angle qui lui restait ouvert était très très restreint, donc très peu de marge d'erreur à ce niveau de ligne. 35, après on sent quand même qu'il y a une volonté de Mamoun d'être un peu plus devant quand même. Exactement. Ouais, il a compris qu'en étant plus agressif, ouais. Ça allait donner quelque chose. Oui, oui. Touché, dommage. Filet touché par Walid. 30 à. Point pour Nacho Reda. Attention, ce point-là il est important. 30 à 4 partout. Stratégique. Hein. Ouais, bien servi. Très bien servi. Il a obligé Nacho à se décaler et j'ai remarqué que Nacho fait beaucoup d'erreurs sur son, a tendance à faire quelques erreurs sur son revers dès qu'il est obligé de se déplacer d'un ou deux mètres pour aller chercher la balle. Il a tendance à jouer un petit peu court de son revers. Golden point, pas de break. Golden point sur une faute directe de Mamoun. Bien sauvé cette balle d'or. Par Mamoun, ouais. Je voulais rater de Nacho, qui donne l'occasion à Mamoun de faire un match assez évident. La main qui tremble. Il faut signaler. Écoute, j'ai remarqué sur la majorité des matchs qui ont été joués, il y a quand même une montée en puissance au fur et à mesure des sets. J'ai remarqué que les premiers sets sont souvent difficiles pour Nacho et Reda, et au fur et à mesure, ils arrivent à s'ajuster. C'est ce qui s'est toujours passé sur les matchs précédents.
En général, ils arrivent à retenir la tendance en général. Ouais, ils démarrent des fois au diesel. Ouais. Et ça finit par revenir à leur rythme de croisière. Le seul élément, là, par contre, il faut assurer son service. Ouais, là, c'est chaud. Hein. 5-4 pour Walid Mamoun, service pour Reda. Oui, parce que dernier match en 3-7, c'est quand même Walid et Mamoun qui avaient gagné le premier set. Ensuite, ils ont perdu les deux autres. Un peu trop forcé sur ce match. Il fallait peut-être remettre un peu au milieu avec une vibora pour essayer de reprendre le filet et être un peu plus agressif et déranger Nacho Hereda. Après, tu remarqueras aussi que le Walid prend plus de risques sur les services adverses que sur leurs services à eux. Il essaye de faire la différence. C'est plus risqué, il y a plus de fautes. Mais si ça passe, c'est vrai que ça peut faire la différence tout de suite. Exact. Et l'objectif ? Oh, faute directe de Walid. 30-0. 30-0. Bien sûr, sur le service, là, sachant qu'ils sont en fait sous pression, parce qu'ils doivent essayer de garder leur score pour gagner leur service, c'est le moment d'être agressif et de faire douter. Exact. Maintenant, il faut réussir ces prises de risque. Voilà. Et ce n'est pas évident. De l'autre côté aussi, ça tremble. Bah, bien sûr, ça joue. Hein. D'ailleurs, ça en fait un jeu super facile. Ce match de Nacho. Ouais, ils n'ont même pas cherché. 1-0. Cinq partout. Service Walid. On va mettre ça sur le compte du soleil. C'est ça, on a le soleil dans les yeux. On essaie de faire avec. Yes. Touché par Mamoun. 15 à. De ce match puissant. Il ne faut pas trop donner des balles faciles à Nacho. Hein. Étonnant qu'il n'ait pas laissé passer pour Mamoun. Parce que Mamoun, Walid commençait à monter pour aller la chercher. Et... Ouais. Bravo, Mamoun. Ce point à 15h. On est à 5-5, 35 maintenant. Allez, ça ne pardonne pas. Voilà comment s'est construit ce point où Reda a lobé en longue ligne sur Mamoun. Il a mis un peu en difficulté, il l'a remis en arrière. Mamoun qui relobe. Comme il peut. Et puis Reda à la volée pour finir un smash par 3 qui sort du grillage de 3 mètres. Sans trop de difficulté en plus. Hein. Oui. 30 à. Ah, faute directe, très très bien servi. Bonne balle. 40-30. A voir Nacho, ça doit être un faux rebond. Peut-être qu'il pensait qu'elle était faute, mais comme Reda a l'air de valider qu'elle était bonne... Aïe. Ça rentre. Ouais, joli. Bien joué. Ouais, très très bien joué, Walid. 6-5, Walid Mamoun. Par la Fédération internationale de paddle, c'est les Espagnols, je crois. Ouais, les handi paddle. Handi paddle. Ouais.
Et il y a eu récemment. Il y a une équipe du Maroc qui a participé. Exactement. Ouais. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et bon, il y a pas mal de personnalités aussi qui essayent de mettre en avant ce handicap-là, ce paddle sur fauteuil. Il y a peut-être même en France où les personnalités qui sont valides et qui jouent en fauteuil pour être solidaires avec les joueurs handicapés. Exact. Et qui sont bien aidés aussi par la fédération de tennis, puisqu'on a quand même des très très bons joueurs de tennis handicapés qui ont gagné plusieurs fois Roland Garros et cetera, qui essaient de pousser aussi pour cet handi paddle. Ouais, bien joué. Service Reda. Service Nacho. Service Nacho. Ouais. Il joue à la baballe. Super beau point. Je pense que Nacho devrait remercier Mahmoud de mettre une balle aussi bien devant lui. En fait, il voulait la coller au filet. Ouais. Et elle n'a pas adhéré directement. Pas du tout. 45. 45. 45. Ah, dommage. Walid était dessus. Super volée de Reda. C'est ce qu'on appelle le chancletasso. C'est une volée coup droit ou revers qui est giflée en mode plat, soit long de ligne, soit en croisé. Et le tie-break est lancé. Avec Mahmoud qui sort en premier. Oh non, dommage. Premier point du tie-break. C'est là où il faut accumuler de la confiance. Le premier point est très important. Ça donne un peu le tempo dans le tie-break. Bon, c'est pas perdu, mais voilà. Ils vont essayer de se rattraper sur les points suivants. Super par 3 de Reda. Exceptionnel. Ça, c'est assez impressionnant. Et 2-0 avec un mini-break qui est déjà dès le départ du tie-break. Et la confiance s'accumule beaucoup plus facilement. Et à 2-0, ça devient plus difficile. C'est un sport, en fait, qui est très, très délicat. Le mental est très, très important. La moindre déconcentration peut faire tourner les choses dans l'autre sens. Et en général, c'est des spirales de points gagnés ou de points perdus. Donc, il faut vraiment la concentration, c'est la clé d'un, et la régularité, bien sûr, sont la clé d'un, et voilà, de la gestion d'un match. Et là, 3-0. Faute directe pour Walid. Après, les conditions, il y a des petites rafales de vent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est ce qui déstabilise. Et d'ailleurs, en demi-finale, on s'est aperçu que Reda et Nacho jouaient beaucoup en Chiquita quand ils avaient le vent dans le dos pour éviter justement d'être confrontés en... Ouh, exceptionnel échange. Ça court de partout. Ah, ça, bravo. Défend de partout. Un jeu subtil. Volé-volé. Oh, c'est magnifique. Chiquita volé. Lob chandelle. Grosse défense de deux. Aïe, 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 aïe. C'était bon de prendre le risque maintenant, mais la position, la synchronisation entre l'impulsion des pieds et le geste du bras de Walid, il y avait un petit décalage entre les jambes et le corps. Et surtout que c'était quand même un point où chacun des quatre joueurs avait quand même dépensé beaucoup d'énergie. Et essayer un par trois sur une, après avoir autant défendu, ce n'est pas évident non plus. Et là, on est à 4-0. Ouais, bien. L'angle très fermé, cherché par Nacho. Difficile. Contre-pied. Walid aurait eu du mal à la récupérer, mais il a touché la grille, malheureusement ou heureusement, pour chacun des deux. 4-1. En fait, depuis tout à l'heure, on voit en fait les points gagnés par Joreda en ce match
viennent de lobes assez courts de Walid ou Mamoun, qui ont certainement peur un peu des rafales de vent pour les lobes. Ouais. En essayant d'éviter que les lobes sortent, touchent la vitre, ils raccourcissent un peu leur lobe et du coup ça revient facile pour le smash de Nacho Herrera. Deux fois le filet. Ouais. 6-1, Nacho Herrera. 5 balles de 7. Après, j'ai des volées un petit peu moins tranchantes aussi de la part de Walid et Mamoun. Oui. Surtout Mamoun a été en plusieurs fois en position de jouer avec le grillage ou de mettre une balle bien profonde. Et en fait, finalement, ça a été une défense relativement facile de la part de Reda ou de Nacho. Ouais. D'accord avec toi, Eric. C'est vrai qu'à des moments comme ça, il stresse. Ah, c'est magnifique. Super smash de Walid. Super boulot sur le grillage. Ouais, super. Avec un rebond favorable pour Walid. Belle prise de risque. On disait en fait, dans le tie-break, c'est un moment très délicat. Les bras, on joue petit bras. C'est ça. Donc, c'est difficile de lâcher un peu ses coups. Voilà. Dommage. Le set qui se termine pour une faute directe de Mamoun. Premier set, Nacho Herrera, 7-6. Eric, je vais te laisser commenter. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Tu me pardonnes ? Oui, pour le premier set, je vais tirer pour le troisième set. Ça marche. D'accord. Bon, merci à Marc pour tout à l'heure. Et comme Sergio Barroso qui a été l'instigateur en fait des premiers professionnels à venir nous rejoindre au Maroc, Sergio Barroso qui était à l'époque 280 mondial et qui vient nous entraîner également sur Casa. Il y a Jorge Angles qui est, comme a dit Eric, qui est 180e et le 317e, ouais. Et le troisième joueur, c'est Pablo de Saiz, Juan Pablo de Saiz, qui est également dans les 200 mondiaux. Donc pour nous, c'est une vraie fierté d'accueillir ces événements. Donc je laisse Eric et Abraham. Ça marche, merci Omar. On finit la terre et on reviendra tout à l'heure. Ça marche. Cette qui dort. Salut Eric. Salut Abraham. Alors, un champion de padel qui en remplace un autre au commentaire. Futur champion. Super premier set. Hein. Ouais, super premier set. Très serré. Très serré. Et l'expérience a triomphé. Fait la différence. Ouais. Ouais. Et là, c'est service Nacho Herrera. C'est Nacho qui sert le début du premier set. 30-0. Deux fautes directes. Super volé de Mamoun. Dommage. Écoute, il a raison. Ça, j'ai remarqué que Walid essayait de prendre beaucoup de risques sur le service de Nacho ou de Herrera. Et c'est une stratégie qui peut être payante si ça passe. Ouais, il ne faut pas faire de faute.
Super. Magnifique, magnifique, magnifique. Parce que là, il a, il s'est bien, c'est bien positionné, c'est bien appliqué, il s'est bien positionné, il a pris son temps. Il était important à réussir. Faute. Ouais, super. Avec un match un petit peu court de la part de Nacho et premier de l'équipe 1-0. Ça roule parfaitement. Voilà. 1-0 valide. Sur le set. Mais de toute façon, on a vu dans le premier set, Nacho a toujours été un tout petit peu en difficulté sur son service. Et là, c'est confirmé. Là, il a, ils arrivent à prendre l'ascendant de plus en plus sur le service de Nacho. Alors que Reda, ça sera beaucoup plus carré. Reda gagne ses services beaucoup plus facilement. Ça va, une puissance chez Reda, c'est incroyable. Ouais, ça va vite, hein. Le geste part vite, hein. Allez, 0-15. Bravo. 0-30. Écoute, à chaque fois que déjà en demi-finale, le, chaque fois qu'ils se sont fait breaker, il y a une petite montée en puissance de Nacho et Reda pour débreaker tout de suite dans la foulée. Et là, on dirait qu'ils sont bien partis pour à 0-30. Hein. Est-ce que ça va se jouer à très peu ce match? Ah, peut-être une petite rafale de vent, ou peut-être le vent qui a joué aussi, qui a ralenti la balle au moment de la frapper, qui peut être qui peut poser de très haut aussi. Ouais. Bien de très haut, c'est pour ça. 15-30. Ah, dommage. Dommage. L'idée était bonne. 15-40. Ça fait deux balles de débreak. Eh oui, c'est imparable. Oh là là, joli, là 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 là. Joli. Ah. Il a touché. Filé. Eh bien, je débreque tout de suite de la part de Reda et de Nacho. Wally, il était là, mais malheureusement, il a touché. Dommage. On sent que le public est plus pour Walid et Mamoun. Hein. Et écoute, je pense qu'ils aimeraient bien voir un petit peu cette équipe perdre. C'est peut-être aussi. Ça fait un précédent.
Après, on s'est rendu compte que les structures tenaient bien quand même. Quand on a vu Reda taper un petit peu le grillage, je crois que le grillage tient bon. Je crois que c'est ce qui a. Le public a exprimé sa. Les ententes entre les deux joueurs. Ouais. La balle était au milieu. C'est ton gêné. Ça arrive même au plus haut niveau. Très beau service de Reda. Allez. Ah, dommage. 35. Oh, tout petit peu en arrière au moment de faire sa bandera. Donc un petit peu de puissance. 30 ans. Super lob. C'est bon. Elle est bonne. Ah, dommage. À 30 ans, tu n'attaques pas cette balle. Tu reprends, tu refais construire, tu reconstruis. Facile, hein, là, il n'était pas si simple que ça. Mais par contre, là, à 30 ans, tu essayes de construire, tu essayes de faire en sorte que ce point est dur et que la pression soit sur l'adversaire. Sans faire jouer l'adversaire. S'il perd le point, c'est une balle de break. Donc là, c'est donner le point un petit peu facilement. L'adversaire, c'est dommage. Dommage. Et là, sur deux fautes directes. Mais ça fait de partout. Non, pas encore. Pas encore. Point en or. Non. Je pense qu'il y a. Sur Wally qui reçoit. Superbe défense. Ah oui, bravo. Et un break. Et deux. Deuxième break du set. Troisième break. Deuxième break pour Nacho. Aucune équipe n'a gagné son service dans ce deuxième set encore. Hein. C'est vrai. Super remarque, Eric. Alors, ouais, non, mais je comprends. Mets le droit, décale un tout petit peu par là.
Shimamoun et Walid. Et 0-15. Ça laisse présager un beau spectacle pour la suite. Et voilà, bien joué. 3-1. Ils ont conservé leur jeu. Ils ont conservé leur raquette. Exactement. Hein. Mais on sent qu'ils sont plus en avant, ils ont plus envie d'avancer, ils ont plus envie de garder la volée. Forcer Reda et Nacho à rester derrière. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et là, ils sont repassés à l'avant encore. Ah oui, belle balle. Belle balle. Forcée. 15. Oui, très bien joué. 15 à. C'est Mamoun qui a fait la différence avec ce petit match de. Après la. Ouais, la volée de Mamoun sur le grillage. Magnifique. Ah oui. Par 4. Ça pardonne pas. Pour Nacho. 35-15. On sent la bataille du filet. Hein. On sent que c'est un jeu qui se joue au filet. Bah, bien sûr. Et là, il n'y a personne de reculé. Dans les pieds. C'est une bataille de joueurs de droite. Hein. Tout se joue à droite. C'est vrai que ça joue beaucoup à droite. Ouais. Tu as raison. Oh là. Ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse. Elle va ressortir celle-là.
ahurissante. Malgré la défense de Walid. Remettre le paquet derrière, ouais. C'est énorme. Allez, 40-30. Boum. Voilà. Eh bien, écoute, premier jeu de Reda a passé la cinquième. Hein. Écoute, ils n'ont pas le choix là de toute façon. Là, il y a deux services à suivre pour Walid et Mahmoud. Allez, il y a un temps. Ah, c'est le drone. C'est le drone. Il dit, ouais, je suis là. Les copains. Allez, service Walid, 3-2 pour Walid et Mahmoud. Donc toujours un break d'avance. Ouais. À eux de confirmer leur break. Conserver cet avantage. Faute. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un gros combat entre les deux joueurs de droite. Et ce qui est beau à voir, c'est que malgré le fait que les deux joueurs de gauche ne jouent pas, on sent qu'ils suivent leur binôme en mode essuie-glace. Et ça, c'est hyper important et rester focus malgré le fait de ne pas toucher de balle. 15-1. Allez, 30-15, Reda surpris. Un peu moins sur ses appuis. Pardon. Allez, ce point est super important. On voit que de tournoi en tournoi, le niveau entre les concurrents se resserre hein, de plus en plus. On l'a vu en demi-finale. Pas en demi-finale, on l'a vu en quart de finale. Ouais, bien joué. Allez, dans important les pieds. Ce point. 40-30. Balle de 4-2. On l'a vu en quart de finale. Reda a fait un quart de finale contre Wally et Mahmoud et on sent que l'écart se resserre. Reda et Sakali et son binôme. Aïe, aïe, aïe. Allez, golden point. Service sur Reda. Ouais.
Reste dans le terrain. Non. Aïe, 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 aïe. En plein dans le poignet de... En plein dans le poignet de Mamoun. Qui retire sa raquette. Ouais, il a pris la balle en plein dans le poignet. Il faut appeler le kiné. Kiné, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et je crois que c'est des breaks. Et des breaks, par la même occasion. De la double peine. Double peine. Bien évidemment, ce n'était pas volontaire de la part de Nacho. Non. Moumoun, viens voir, viens voir. Tu dis quoi, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on suive le point, parce que Marcache, c'est Marcache, le Pablo, donc il faut suivre. Je pense qu'ils ont laissé passer leur chance. Non. Je... Après, il y a quand même un petit coup au moral. Ça s'est mobilisé pour partir. C'est jamais évident, surtout sur le... Après, il suffit d'un petit point où ils reprennent confiance et... J'ai Aïe, 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 dommage, dommage. Le a été bien, la balle est remontée, dommage. Il a bien anticipé, il a bien attaqué, mais 40-0. Dommage. Et voilà. Mais là, ça a déroulé un petit ça peu. Ça déroule vite. Il y a eu un petit coup au moral. Ouais. 4-3. C'est bon. Pas de break de retard, tout est toujours possible. Merci Arnaud. Il va falloir confirmer tout de suite. Ce jeu est trop. Coach ou leur ami, je ne sais plus. Des conseils. C'est bon, le truc. Les conseils sont bons à prendre. Service Mamoun. Beaucoup de vent. Allez, il faut rester mobilisé. Il faut garder la confiance. Tout en continuant à avancer et attaquer. 0-15. Et là, tout se joue beaucoup sur Mamoun. Ah ouais, très bien anticipé. Beau petit lob. Et ce jeu est primordial pour continuer à y croire. Ils ont le vent dans le dos, ça veut dire que là, ils vont être obligés de jouer en chiquita plus qu'en lob parce que leurs lobes vont être très très courts et ils vont se faire punir. Donc, ça va être très très compliqué.
Donc le but sera, voilà, le lob hein, ouais, est long puisqu'il est long, ouais. Nacho a le vent dans le dos. Et par contre, ils vont devoir jouer beaucoup plus en Chiquita ou carrément venir à la volée pour justement s'éviter toute faute et toute erreur. Voilà, 30 ans. Attention, ce point est important. 30 partout, ça peut être une balle de break. Ah, une maison d'antique. Superbement construit de la part de Walid. Magnifique point. Superbement construit. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde a participé. Magnifique défense de tout le monde. Allez, balle de 4 partout. Il est important ce point. Ils ont pris leur temps. Ils n'ont pas tenté. Il aurait pu finir plus rapidement. Il n'a pas voulu. Oui, très bien joué. Allez, 4 partout. 4 partout. Balle au centre. Rien n'est fait. Ils ont été solides. C'était pas évident. Eh oui. Ça pardonne pas, un petit lob un peu court. Encore une fois, ils ont le vent de face. Il n'y a pas cru, il aurait pu l'avoir. Vous pensez qu'elle sortait. Ouais. 15-0. Vous savez, c'est Nacho. Ça part très vite. Oh là là! Très très bien anticipé de la part de Walid. Très bien installé à la volée. Un mélange de force solide. Et de ouais. C'est fantastique. Très très solide. 15 points. Walid fait un gros match. Hein. Très gros match. 35. Aïe. Eh bien, jeu 5-4. 5-4. Donc, ce... Alors, je suis étonné parce que le, je sais que Reda El Amrani avait arrêté. A plus de facilité pour se remettre aussi, mais ça reste assez exigeant le synthétique. Hein. Beaucoup de pression sur les épaules de Walid pour rester dans le match. Ce jeu est décisif déjà. Allez, c'est Walid qui sert. Le jeu s'est un petit peu modifié. Il y a un petit peu plus de jeu sur la gauche maintenant. Très bonne défense de Reda. Et là, c'est la finition. Ah, ouais. 0-15. Attention.
Attention. Là. Son public est derrière. Le troisième set en plus. On veut tous un troisième set, bien sûr. Ah, c'est magnifique, bravo. Solide, Mamoun à la volée. Il a bien vu le petit espace qu'avait laissé Reda sur son revers. Il était un tout petit peu avancé, Reda. Reda. Ah oui. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. 15-30. Deux points du match. Hein. Deux points du match. Match est court. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Allez, deux, trois balles de match pour Reda et Nacho. 15-40. Il va falloir qu'il soit solide, hein, les garçons. Bravo, Wally. Allez. 34. Et une de sauver. Allez, encore deux points à sauver. Aïe, 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 aïe. Voilà, bravo, 6-6-6-4 pour Reda et Nacho. Super match. Ils n'ont pas démérité. Hein. Bravo, bravo, bravo. Très beau match en tout cas. Ouais, c'était très plaisant. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Abraham pour m'avoir accompagné dans ce deuxième set. Merci à toi, Eric, hein. C'était un plaisir. Et ben merci au public, merci à tous les YouTube sur la retransmission de ce match. Merci à Sportteam pour la mise en place du match. Bravo à eux. Et superbe organisation de la part de Sportteam, de MPM. Et bravo. Bravo. Et à très, très bien. Padel del Mundo. Exactement. À très, très bientôt. Allez, bye tout le monde.
Oui. Ouais. Ouais.